Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montrerai comment changer le nom d'affichage de votre compte. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche des notifications si vous ne le savez pas. Donc, bisous à tous. On va commencer avec aller exactement. C'est pas où je vais vous tout vous montrer. Vous allez, j'ai pas. Alors là, faut. Donc là, ça a cassé avec ce truc. Donc, d'accord. Ok. Ensuite, vous allez aller sur paramètres. Donc, quand je suis allé sur les paramètres, j'ai appuyé sur la cloche. Et vous aussi appuyez sur la cloche des notifications. Oui, et abonnez-vous. Là, on a. Ici, vous allez. C'est. Regardez. Là où j'étais, sur le noir, c'était ça où j'ai appuyé. Je vais refaire. Regardez. Ne regardez pas ça. Regardez. C'est là où je suis avec le crayon noir et la feuille, les contours noirs. Ensuite, il faudra que vous effacez. Il faudra que vous. Mais vous inquiétez pas. Votre nom d'utilisateur, ce sera toujours Léna Adriana. Ce sera toujours le même. Mais juste que vous aurez changé de prénom. Par exemple, je vais pas faire un exemple parce que après, je suis un peu. Voilà, vous allez mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. À part 20, par exemple, si je tape. Là, je tape n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vous avez 10 ans? Là, j'ai tapé n'importe quoi, mais c'est pas vraiment ce que vous devez taper. Parce qu'après, ce sera un prénom. Mais bon, faites ce que vous voulez, à propos. Donc. Voilà, les amis, si ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires ou likez cette vidéo. Ou likez un bouton. Bisous! Bonne soirée ou bonne journée. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver comment faire.